il souffle un vent de Bretagne dans les studios de Radio Vallée de la Lézarde pour l'interview de ce 14-18 du samedi. Un vent de Bretagne, ou d'ailleurs comme chantait un certain Philippe Laville. Mais là, avec nos invités d'aujourd'hui, croyez-moi, il va y avoir de la bombarde. Mais pas avec l'instrument aujourd'hui. Eh non, il va plutôt y avoir une bombarde d'informations afin que vous soyez sûr d'être prêt et être au rendez-vous au mois de mai à l'occasion de la fête de la Sainte-Yves. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, comment allez-vous? Eh bien, très bien. Il fait beau aujourd'hui et c'est agréable d'être ici parmi vous. Eh bien, plaisir partagé. Alors, n'hésitez pas à vous présenter un petit peu auprès des auditeurs. Alors, moi, je suis Christophe Lemonnier, j'habite Montivilliers et je suis le président de l'association des Bretons du Havre. Et moi, je suis Anne Danné, j'habite Le Havre et je suis la vice-présidente de l'association des Bretons du Havre. D'accord, très bien. Donc, du coup, au niveau des rôles, comment ça s'organise? Eh bien, très bien. Il y a un chef et un sous-chef, hein, donc on s'organise comme ça. C'est déjà pas mal. Non, mais ça s'organise bien. On répartit les tâches, hein, parce que bah, de toute façon, qui dit associatif dit bénévolat en plus de notre travail. Donc, plus on est fou, plus on est nombreux pour se répartir les tâches, et mieux c'est. Hein, plus on est fou, plus on rit aussi. Hein. J'allais le dire. Eh ben, du coup, c'est parfait. Donc, alors, avant de savoir tout ce qui se passe autour de cette association. Ben moi, je vous propose de faire une petite machine à remonter dans le temps et de reparler de l'histoire de cette association, parce que j'ai cru comprendre que cette association, elle a un beau background quand même. Et oui, tout à fait. Hein, l'association ne date pas d'hier. L'association a été créée en 1909, donc on a fêté les 100 ans en 2009 lors d'une fête de la Sainte-Yves. L'association a été créée en 1909. Néanmoins, depuis 1875, il existe des regroupements bretons au Havre. C'était différentes communautés qui arrivaient pour prendre du travail sur le Havre et du coup se regrouper entre eux dans leur ville originaire et se regrouper dans le quartier Saint-François. Et en 1909, tous ces regroupements se sont créés au sein d'une association. Et voilà, et depuis, on essaye de faire perdurer la culture bretonne au Havre et continuer à créer des liens d'amitié entre les adhérents et les passionnés de la culture bretonne au Havre. Principalement quoi. Donc c'est vraiment cette alchimie qui a des différentes et des passions communes du coup qui a vraiment amené à cette association à vivre depuis. C'est ça. Mais bon, la création de l'association n'était pas pour la culture bretonne. Hein. L'origine de l'association, c'était en gros à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale, tout ça. Non. Donc le fait de se regrouper en communauté pouvait aider quand il y a quelqu'un qui était malade ou vivait un accident du travail, bah, les autres cotisaient pour cette personne-là. Il existait plein de fonds de solidarité et c'est vraiment ce qui est à l'initiative de l'association. D'accord, donc un esprit d'entraide, hein, tout à fait. Qu'on ressent. Et niveau bénévole, puisque vous parlez des bénévoles, vous êtes combien en tout? Actuellement, on est à 186 adhérents, bénévole n'est pas non plus adhérent. Enfin, en étant bénévole à l'association, on n'est pas dans l'obligation d'être adhérent, mais à jour de cotisation, aujourd'hui, nous sommes à 186 adhérents. Et c'est pas mal, c'est pas mal. C'est même excellent, avec une parité plus ou moins respectée. On essaye, mais la porte est pas fermée. Hein. Non, bah disons que on a plus de femmes. On a 58% de femmes au sein de l'association. C'est aussi expliqué. Ça s'explique parce que la danse bretonne. Vous prenez notre cercle celtique, hein, ceux qui défilent en costume breton et qui dansent. Mm-hmm. On a plus de femmes. Ils sont 19. On a que 6 garçons. Donc ça fait 13 filles pour 6 gars. Donc automatiquement la parité, elle est pas respectée. Hein. Pas tout à fait, effectivement. Après, ça dépend aussi des activités, j'imagine. Oui, tout à fait. Je prends, admettons, l'atelier crêpe. Là, c'est les femmes qui sont plus représentées dans l'atelier crêpe, alors que l'atelier bagade, où c'est une majorité d'hommes. Comment ça, les hommes ne font pas très bien les crêpes? Ah non, j'ai jamais dit ça. Moi, le premier, je fais d'excellentes crêpes. Eh ben, j'aurai l'occasion, j'espère, à les goûter. En tout cas, niveau activité, déjà, vous avez donné une petite panoplie par rapport à ce que les hommes et les femmes peuvent faire. Mais plus en détail, qu'est-ce que ça donne niveau activité chez les Bretons du Havre?
Eh bien, on propose différents ateliers au sein de notre association. On a un bagad. Donc, un bagad, c'est un ensemble de musiciens bretons, hein, bombarde, cornemuse et caisse claire. Et je vois le bagad actuellement, ils sont 19 musiciens et musiciennes. Nous avons un cercle celtique. Le cercle celtique, c'est ceux qui défilent, qui dansent en costume breton, costume traditionnel de la Bretagne. Nous avons une initiation à la danse qui a lieu tous les mercredis. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde. Celles ou celui qui veut apprendre à danser breton pour pouvoir mettre en pratique lors des fêtes familiales, lors des fest-noz ou pour pouvoir aller en vacances en Bretagne. C'est tous les mercredis soirs de 20h à 22h sur le Havre. On a une initiation à la musique du bagad. Donc on vous apprend à jouer à la bombarde, à la cornemuse, à la caisse claire et autres instruments. Un groupe aussi qui marche bien, c'est le groupe des enfants. On a un atelier danse pour les enfants, initiation à la danse bretonne pour les enfants. Et là, on a 30, je sais plus, c'est 33, 34 enfants, 34 enfants. 34? Ouais, 34. D'accord. Et c'est pas mal, hein, de 3 ans, le plus jeune à 3 ans, le petit Martin et la plus vieille, enfin la plus âgée des ados doit avoir 14 ans. Du coup, ça veut donc dire que pour des non-initiés comme je peux l'être, hein, je l'assume parfaitement là-dessus, il y a tout à fait moyen d'apprendre vite et bien. Ah, tout à fait. Moi, le premier, hein, quand je suis arrivé à l'association, je ne savais pas jouer. J'ai commencé par la musique. Hein, j'ai intégré l'initiation Ah ouais. bombarde. En 3 mois de temps, je savais jouer à la bombarde. Hein, ça a été assez rapide. Après, il est clair que je ne savais pas jouer tous les morceaux du bagad. Mais en 3 mois, ça permet déjà de connaître les bases et puis pouvoir jouer quelques airs. D'accord. Vous parlez de bagad en tant que tel. Est-ce qu'on peut rappeler pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément comment est constitué un bagad exactement niveau membre? Eh bien, un bagad est divisé en 3 pupitres. Hein, c'est un ensemble de musiciens, donc divisé en 3 pupitres. Il y a le pupitre bombarde. La bombarde, ça ressemble un peu comme une flûte, mais avec une anche en bois, en roseau, pardon. Donc c'est assez difficile de souffler dedans. Hein. C'est une question d'habitude. Hein, le premier passant qui dit, tiens, je vais jouer un coup de bombarde n'arriverait pas à souffler dedans. Hein, il faut une petite technique qu'on apprend en 3-4 séances. Et Ah donc, oui. ouais, non, c'est vrai, c'est pas, bah, c'est des lames de roseau, c'est un peu comme le hautbois, voilà. Donc ma vice-présidente me souffle, c'est comme le hautbois. Hein, et donc là, c'est tout un pupitre. Et ensuite, nous avons le pupitre des cornemuses. Pour ceux qui connaissent, c'est la cornemuse écossaise qui est pratiquée dans les bagadous. Celle qu'on a l'habitude plus ou moins d'entendre. C'est ça, c'est la cornemuse écossaise, c'est celle que vous trouvez dans les pipe bands en Écosse, en Irlande, partout dans le monde, et c'est celle que vous trouvez aussi dans les bagadous en Bretagne. Parce que un bagad au singulier, des bagadous au pluriel. Bagadou. C'est pas mal du tout, du coup. Donc ça fait quand même un bon rassemblement dont il faut, j'imagine, voilà, faire en sorte à ce que ça soit, à ce que tout le monde soit au même niveau, quoi, pour. Oui, donc il y a des cours. Hein. Il faut la première étape, c'est apprendre à jouer à l'instrument. Donc une fois que c'est bon, on est aspiré dans le bagad. Et puis ensuite, c'est apprendre les partitions du bagad et puis jouer, de bien les jouer et les jouer ensemble. Hein, parce que il suffit d'une fausse note que pour que tout parte en vrille. Hein. Et après, forcément, c'est pas super pratique après à rattraper, j'imagine. Et surtout pour le public. Et surtout pour le public. On va en parler dans quelques instants d'un exemple de bagad qui fait partie des adhérents de l'association, mais là, c'est un tout autre bagad qui va nous servir pour une pause musicale, histoire que vous puissiez vous projeter un peu, chers amis auditeurs et auditrices, dans cet univers. Et quand je vois
la pochette du CD en question, je vois que c'est un bagade que j'ai entendu parler, moi, alors que je suis pas forcément super initié à ça. Le bagade de Van. Alors, moi, personnellement, je le connaissais parce que j'avais vu qu'ils avaient remporté un talent show sur M6, La France a un incroyable talent. C'était dans les années 2014. Et donc, l'un des titres que vous souhaitez proposer comme pause musicale, c'est un titre du bagade de Van. Tout à fait, c'est un des morceaux qu'ils ont interprété pendant le concours La France a un incroyable talent. Et du coup, ça a vraiment mis la lumière sur les bagadous et la France entière, toutes les semaines, vous voyez de la musique bretonne à la télé. Et c'était génial. Et la France a porté, a donné la victoire donc à cet ensemble musical. Et c'était une sacrée aventure pour eux, mais aussi pour tous les bagadous en France, parce que du coup tout le monde savait, ah bah maintenant on sait ce que c'est qu'un bagade, et grâce à eux quoi. Grâce à eux, et surtout ça a mis en lumière comme jamais cet univers là. Bah, je vous propose qu'on écoute l'un d'entre eux, Ridé Citan. C'est parti, let's go. Thank you.
Ah, ça envoie, c'est sûr. Et ils le font merveilleusement bien, le Bagad de Vannes. Une ridée, 6 temps à l'instant, donc, sur Radio Vallée de la Lézarde. Et pendant que vous étiez en train d'écouter ce titre, j'ai appris, grâce à Christophe et à Anne, qu'il existait donc une division d'honneur et qu'ils étaient 5e de la division d'honneur, le Bagad de Vannes, donc, du coup, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, en gros, pour être classé, il faut faire des concours, il faut passer des concours. Donc, c'est réparti en 3 fois. Le concours est divisé en 3 manches. Et ensuite, vous avez différentes catégories. La 4e catégorie, la 3e, la 2e, la 1ère et l'excellence. Et le Bagad de Vannes, depuis l'année dernière, évolue en excellence. Je crois qu'ils doivent être en 5e position actuellement, parce que le concours n'est pas encore fini. Hein. Ah, il est encore en cours actuellement ? C'est ça, ça va se finir cet été devant les touristes, hein, parce que mine de rien, c'est aussi un aspect touristique, toute cette forme de concours et festival. Donc tout se passe essentiellement l'été. Hein. Mmh. D'une certaine façon, ça aide à ramener du soleil. Voilà, du soleil et des touristes. Voilà. Et donc, du coup, on parlait du Bagad de Vannes, mais vous avez aussi un Bagad dans votre assos, si je n'abuse. Tout à fait. Là, je vais laisser parler Anne, notre vice-présidente, qui, justement, évolue aussi dans le Bagad. Elle joue de la bombarde. Donc, Anne, je te laisse nous parler un peu du Bagad. Bah oui, Anne, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Notre duchesse, apparemment. On écoute. Oui, donc le Bagad à Velvore, en fait, c'est le vent de la mer en breton. Comme on en a parlé tout à l'heure, en fait, on est regroupé en 3 pupitres, puisqu'on a les cornemuses, les bombardes et un pupitre percussion. Et on fait des morceaux d'un peu toute la Bretagne, de danse, pour accompagner le cercle. Principalement, oui. D'accord, très bien. Donc j'imagine qu'en plus de ça, il y a donc de la danse qui est mise à l'honneur. Oui, donc en parallèle, on a le Bagad et on a un deuxième groupe, c'est le Cercle Celtique dans Saint-Yann-Arvor. Donc 19 danseurs et danseuses qui évoluent en différents costumes bretons. Et voilà, donc on anime pas mal de prestations en costume avec le Bagad. Avec le Bagad qui accompagne du coup. D'accord, des expositions j'imagine. Alors on avait fait il y a peut-être 3 ans maintenant une exposition avec un défilé de mode du costume breton. On n'a pas renouvelé l'expérience, hein. C'était pas un bouillon, mais on n'avait pas rempli nos objectifs. Bon, c'était à titre expérimental, j'imagine. Oui, c'est ça, tout à fait. On est ressorti super content parce qu'on avait récupéré aussi, ça nous avait permis aussi de collecter quelques costumes qui étaient encore dans les différentes armoires des mamies encore sur le Havre. Donc, ça sera à refaire. Ça peut être à refaire. En plus, ça permet de mettre en avant les costumes traditionnels. Et c'est justement avec ça que je souhaitais rebondir. Donc, apparemment, on a notre spécialiste pour ça. Donc, je vais m'adresser directement à elle. Anne, c'est quoi ces costumes traditionnels qu'on peut retrouver ? Alors, en fait, nous, au niveau du cercle, comme on est hors Bretagne, on a la possibilité de porter le costume de n'importe quel terroir en Bretagne. Donc on a une variété de costumes au niveau du cercle qui est assez importante. Et on ne porte que des costumes de cérémonie, par contre, pour pouvoir présenter tout ce qui est broderie, perlage et les coiffes, contrairement à ce qui serait plus des costumes de travail qui seraient noirs avec vraiment des toutes coiffes en coton. Vraiment des costumes beaucoup plus simples. Plus simpliste, donc, d'accord. Ces costumes-là, on se doute bien que la culture bretonne, il n'y a pas que des costumes tels que l'on les connaît, en tout cas sur le Havre. Il doit y avoir, j'imagine, peut-être des différences d'une région à une autre concernant ces costumes. Alors oui, tout à fait. En fait, chaque commune pratiquement a une spécificité sur son costume, que ce soit dans la pose de la coiffe ou dans la forme du tablier ou des coutures, des costumes. Une forme de coiffe, du coup, carrément, qui se... Au niveau des poses de coiffe, on a des différences, la façon d'épingler, c'est vraiment très différent, même d'une commune à l'autre, et il y a vraiment une variété de costumes, après, par terroir,
que ce soit Côte d'Armor, le Morbihan, le Finistère, c'est très varié. Donc ça imprime, donc du coup, il y a une certaine empreinte culturelle qui se retrouve grâce à ces costumes. Donc ça peuvent, donc j'imagine que ça peut aussi témoigner en dehors de l'aspect culturel, peut-être des conditions de vie, un statut social qui peut... Oui, en effet, au niveau du costume, sur les costumes de cérémonie, en fait, selon la hauteur des bandes de velours sur les costumes ou selon le niveau de broderie, plus il y en a, plus les personnes étaient riches. En fait. Et du coup, c'était hors de question pour quelqu'un d'un niveau social inférieur, en fait, d'avoir trop de broderie ou trop de velours sur le costume. Ça ne serait pas du tout passé au niveau de, au niveau du village, de la ville, tout ça. Hein, avec les costumes, du coup, avec la... C'est très, très codifié et oui, ça codifié. A toujours été respecté. Respecté d'une certaine façon, mais qu'on retrouve partout. D'accord, très bien. Bah, du coup, ça me permet... Bon, je ne sais pas si je vais avoir ce genre de costume encore chez moi dans l'immédiat, mais moi, peut-être que j'aurai l'occasion d'avoir l'un des autres CD que je vais vous proposer tout de suite, chers amis, en guise de pause musicale. Un duo qui va être dans une toute autre ambiance, je vous propose d'écouter. C'est Lisa Gérard et Denise Brigeant. Je n'ai pas trop écorché le nom. Je laisse place aux spécialistes. Non, tout va bien. Et le titre en question, Gortoz Euran, c'est bien Gortoz ça Gortoz Euran, ouais, Gortoz, tout à fait. Gortoz Euran, voilà. Et bien du coup, c'est parti, musique. Gortoz et me, Gortoz et me. Yeah.
je me sens déjà beaucoup plus détendu par cette spiritualité somalienne que nous avons entendue avec ce merveilleux titre, on peut le dire. Oui, tout à fait, un super duo. Donc, ce duo a donné la bande originale du film La chute du faucon, le faucon noir. Donc, c'était un film tourné en Somalie, à Mogadiscio, pendant la guerre là-bas. Et voilà, donc c'est aussi mis en avant la culture bretonne, hein, parce que c'était un film américain, hein, c'était les G.I. qu'on voyait à la télé. Et du coup, la culture bretonne, avec Denis Prigent qui chante en breton, a été propulsée au rang international. Oui, en effet, on sent que ça s'est bien imprimé. Alors, les Bretons du Havre, ça propose des activités, évidemment, sur le Havre, mais peut-être que vous avez d'autres lieux où vous proposez des activités. Donc, du coup, les Bretons du Havre, mais y a-t-il un champ d'action un petit peu plus élargi ? Alors, on est les Bretons du Havre et des environs. Hein, à la base, c'est notre appellation. Hein, c'est comme ça que on est appelé dans nos statuts. Néanmoins, nos lieux de répétition sont uniquement au Havre. Hein, c'est à chacun de prendre le moyen de locomotion, hein, voiture, vélo, mobilette, le tram, le bus, pour tous venir. Tous les moyens de transport possibles. Pour venir en répétition. Et du coup, tout le monde se rassemble. Et après, passe un super bon moment. Alors, vous, pour ceux et celles qui sont un peu plus initiés parmi nos auditeurs, je pense que vous voyez à un moment donné où je veux en venir. Parmi les événements qu'organisent les Bretons du Havre, eh ben, il y a bien la fête de la Saint-Yves qui arrive là prochainement, le 19 mai. Oui, ça approche, là, le 19 mai. Donc, on est à pratiquement 3 semaines. Hein. Voilà, donc on est vraiment sur le pont pour tout préparer, tout finir de préparer. Hein. Donc à fond, les manettes actuellement, ça ne fait que galoper. Alors qu'est-ce qu'on peut décrire pour cette fête, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas ? Alors c'est une fête populaire, ouverte à toutes et tous, qui est gratuite. C'est dans les rues, rue de Bretagne, rue de Jean de la Fontaine et la place du Père Arson, dans le quartier Saint-François. Sur le quartier Saint-François, c'est le quartier historique de l'immigration bretonne. Dès que les Bretons arrivaient au Havre, ils s'installent à Saint-François, dans le quartier Saint-François. Et du coup, pendant 2 jours, du samedi 19 à 14h30 jusqu'au dimanche 20 mai, 18h, on va animer le quartier au son de la cornemuse avec 2 bagadous, le bagad du Havre et un bagad de Camor qui nous viendra du Morbihan dans le 56, et puis des danses bretonnes, plein de costumes, des défilés, des animations sur scène, un fest-noz le samedi soir. Il y aura aussi un marché traditionnel sur les 2 jours dans les rues. Voilà, donc dépaysement garanti et vous fermerez les yeux et vous aurez l'impression de vous croire en Bretagne. Un marché, donc du coup, qui dit marché dit aussi un peu de gastronomie là-bas. Oui, il y aura du bon phare breton, du bon cuillamon. Oh, breton, j'adore ça. Du cidre, du chouchen, etc. Voilà. Ça y est, à cause de vous, j'ai faim, ça y est. Alors, je disais surtout que vous galopiez pas mal parce que le temps de préparation pour cette fête, j'imagine, est important. Oui, ça demande beaucoup de préparation. Et puis, nous, on n'est que des bénévoles. Hein. On n'est pas surhumains. Donc, on a notre travail. On accumule, en plus de l'association, l'organisation de la fête. Donc, effectivement, on est sur tous les ponts. Quoi. Absolument. Alors, d'une certaine façon, on pourrait... je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer, la place de la culture bretonne sur le Havre et ses alentours. Quelle place qu'elle a ? Disons que le Havre a une histoire vraiment très 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 liée avec la Bretagne, hein, parce que le Havre a été construit, comme tout le monde le sait, en 1517. Néanmoins, les premiers ouvriers, c'était des Bretons. Sérieux ? Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, les premiers ouvriers étaient des Bretons, et c'est de là qu'a commencé aussi la première migration. Bon, ces ouvriers, soit ils sont morts sur le chantier, ou ils sont repartis chez eux, mais néanmoins, ensuite, c'est de là qu'est née l'immigration bretonne, parce que du coup, les Bretons savaient qu'il y avait le Havre, savaient qu'il y avait, c'était une ville qui était en plein essor, et savaient aussi qu'il y avait du travail au Havre.
D'accord, et donc du coup, c'est grâce à ça qu'ils ont pu mettre ses premiers pas ici. Donc aux alentours aussi, la place de la culture bretonne autour du Havre, j'imagine. Il y a eu l'après-guerre aussi, hein, l'après Seconde Guerre mondiale, avec la Transat, donc tous les navires de touristes et marchands. Donc à l'époque, il n'y avait pas meilleur marin qu'un breton. Donc du coup, beaucoup de bretons venaient au Havre pour pouvoir embarquer sur les bateaux et travailler sur les bateaux. Et c'était une époque magnifique, parce que même pour la ville du Havre, il y avait plein de bateaux qui arrivaient tous les jours, et c'était quelque chose de fou avec tous les salariés, tous les ouvriers qui gravitaient autour. Véritable esprit d'équipe. Et voilà, et dès que le bateau accostait sur le Havre, hop, il y avait plein de taxis qui les ramenaient en Bretagne. On appelait ça les taxis bretons dans les années 70-80. Et voilà, et du coup. Ça vient de là. C'est ça. Donc chaque bar au quartier Saint-François était symbolisé, on va dire, un pays, une commune. Et donc les marins se regroupaient dans tel bar. La Paimpolaise, hop, c'était pour pouvoir rentrer à Paimpol. Et puis il y avait un taxi qui emmenait tout le monde, un peu comme la bétaillère, parce que. Moi, j'ai des récits de témoins où ils montaient jusqu'à 12 dans le taxi. Et hop, direction Paimpol et toutes les autres communes. Et après, ça repartit pour un tour. Et ouais, voilà. Et puis donc, quand ils avaient le bateau accosté, admettons, pour 5 jours, les Bretons retournaient chez eux pour 5 jours. D'accord, très bien. Eh bien, ça va nous permettre le temps de s'imprégner un petit peu plus de cette culture. Vous avez dû remarquer avec nos différentes pauses musicales que la culture bretonne et surtout la musique bretonne est variée. On a commencé dynamiquement et après on a poursuivi un peu plus solennellement. Et là, on va être à nouveau dans une ambiance encore différente. Anne, de votre côté, de Matpata, ça vous parle un peu ? Oui, bien sûr. Le titre Les Moutons, vous aimez bien ? Oui, tout à fait, oui. Ça vous dit de l'écouter ? On y va. Alors allons-y. Jean-Marie Le Pen, non. On s'est roulé en 5 feuilles avec du pollen,
et c'est pas près de nous rendre chèvres, Matmata les moutons sur Radio Vallée de la Lézarde. Vous arrivez en cours de route, chers amis auditeurs et auditrices d'RBL. C'est le 14-18 du samedi, c'est la deuxième partie de notre émission et c'est donc la partie interview. J'ai le plaisir d'avoir l'association Les Bretons du Havre qui sont avec deux d'entre eux, qui ne sont autres que les présidents et vice-présidentes, Christophe et Anne, réciproquement. Et de notre côté, on a parlé avant eh bien, de la fête de la Saint-Yves, mais il n'y a pas que la fête de la Saint-Yves qui est à l'honneur, si j'ai bien compris, avec la nuit de la Saint-Patrick qui avait eu lieu, qui a lieu hein, comme chaque 17 mars de chaque année. Alors, moi, la seule chose que je sais concernant la Saint-Patrick, c'est que c'est le saint patron des Irlandais. Donc, forcément, breton, irlandais, ça se rapproche évidemment. Mais du coup, comment s'est passée cette dernière édition et l'organisation est-elle restée plus ou moins la même dans ses spécificités? Eh bien, donc, nous avons organisé une nuit de la Saint-Patrick le 10 mars à Bolbec. On n'organise pas ce type d'événement tous les ans parce que ça demande beaucoup de dépenses financières. Hein, donc, il y a des raisons économiques à ça. Voilà, disons que quand on organise un tel événement, on sait d'avance que ça va nous coûter un peu de sous. Hein, on ne va pas retomber dans nos frais. Donc on essaye de se faire plaisir. Et puis ça s'était bien organisé avec Volbeck. Ils nous ont mis à disposition les locaux, tout ça. Donc c'était l'occasion de faire une grosse soirée en deux parties. Une partie spectacle, musique bretonne, danse bretonne, des claquettes irlandaises avec une chanteuse qui crée le lien surtout sur ces deux tableaux. Et la deuxième partie, c'était le groupe des Ramoneurs qui animait la scène pendant plus de 2 heures. Voilà, une soirée, mais franchement, une soirée mémorable. Voilà. Des petits liens de rapprochement possibles quand même avec la fête de la Saint-Yves, mais dans une autre dimension. C'est toujours la même organisation. Hein. Il nous faut toujours des bénévoles. On répond toujours aux mêmes normes de sécurité de la sous-préfecture. Hein. On est toujours en plan Vigipirate. Donc, il faut toujours. On ne lésine pas sur la sécurité. Et donc, du coup, oui, c'est la même organisation de la fête de la Saint-Yves qu'on transpose à moindre échelle pour la Saint-Patrick ou autre. Hein. Ou que ce soit un fest-noz, c'est pareil. On ne peut plus faire tout et n'importe quoi maintenant. Hein. Ça, je confirme. Alors, là, on avait parlé des locaux qui ont été mis à disposition. Donc, là, on a parlé surtout des activités de la culture bretonne, qu'est-ce qu'elle correspond, mais forcément, on ne parle pas forcément de tout ce qui est dans l'ombre, qui permet aussi de permettre aux Bretons du Havre d'avoir du succès dans les différentes organisations. Donc, première chose qui me vient à l'esprit, c'est y a-t-il des partenaires ? Oui, on a des partenaires qui, heureusement, qui sont là pour nous aider à longueur d'année. Hein. Nous avons la ville du Havre, hein, parce que nos répétitions ont lieu dans des locaux municipaux. Hein. Le Bagade, le samedi après-midi, peut répéter au Conservatoire du Havre, Oscar Niemeyer. On a des salles pour la répétition du Bagade. L'initiation danse se fait dans un préau d'école. Et puis l'initiation pour le cercle se fait dans une mairie annexe à Sanvic. Donc heureusement que la mairie est là pour nous prêter et mettre à disposition ces locaux-là. Parce que sinon, financièrement, ça ne serait pas du tout possible pour nous. Nous, on a un local où on peut stocker nos costumes et puis toute l'organisation de la fête de la Saint-Yves. Mais on ne pourrait pas danser et jouer dedans. Surtout niveau organisation, je pense, dans les locaux en tant que tels, ça doit pas être... Oui, et puis il faut répondre aussi à des normes, parce que nous, quand on fait des répétitions, on peut se retrouver vite à 20, 25. Je prends le cours de danse du mercredi, initiation à la danse bretonne, où je vous invite tous à venir d'ailleurs, le mercredi à partir de 20h. Des fois, il se retrouve à 35 danseurs. Donc, il faut répondre aux normes d'évacuation, de sécurité. Donc, automatiquement, seuls des locaux publics peuvent répondre à ces normes-là. Des locaux publics, il fait à peu près combien en mètres carrés pour vous donner une petite idée ? Le préau du cours de danse, s'il fait 300-400 mètres carrés, au moins ça, je dirais. D'accord, au moins 400 mètres carrés. Je me ferai un très bon, immense séjour dans le préau. Donc, qui permet d'accueillir, grosso modo...
petite trentaine, c'est ça? C'est ça, ouais. Au plus fort, moi, j'ai vu quand j'ai commencé, enfin depuis que j'ai commencé, le plus fort, arrête-moi si je me trompe, mais on était une bonne cinquantaine. J'ai connu, on était une bonne cinquantaine de danseurs et on n'occupait même pas le tiers du préau, donc il y a encore de l'espace. Pour ça, n'hésitez pas à venir, rejoignez-nous. Bah, écoutez, bah, de mon côté peut-être, hein, qui sait, hein, on ne sait jamais. Surtout que moi j'aime bien tout ce qui est culture bretonne, évidemment. Et d'autres partenaires qui... Oui, alors, donc c'était la mairie du Havre pour le quotidien, mais elle nous aide aussi pour l'organisation de la fête de la Saint-Yves logistiquement, hein, ceux qui nous mettent à disposition les scènes, les barrières, tout ça. Et pour l'organisation de la fête de la Saint-Yves, dans le cadre du financement, on perçoit une subvention. J'allais demander comment sont financées ces différentes activités. Et ben voilà, donc ben, des différentes activités sont finies déjà grâce à l'adhésion, hein, parce que chaque adhérent, donc on est 186 adhérents. Très exactement, hein, ne faites pas d'erreur. Je revérifie, hein, 186 adhérents à jour de cotisation. Donc chaque personne paye 35 euros, l'adhésion est à 35 euros pour l'année. D'accord. Et du coup, en payant cette adhésion, vous pouvez faire toutes les activités que propose l'association. Oui, c'est un droit d'entrée pour après vraiment avoir la liberté de faire les activités de là où on se sent le mieux ou dont on a plus envie de découvrir. Et vous pouvez tout cumuler pour la même somme. D'accord, ok. Alors, vous êtes une association, donc en toute logique, il n'y a pas de salariés, j'imagine. Non. Donc, est-ce que actuellement vous avez des besoins en termes de bénévoles? Alors évidemment à part pour les activités, mais des bénévoles pour superviser telle ou telle activité, dans quel domaine? Alors au quotidien, on sait pas vraiment des bénévoles qu'on a besoin au quotidien pour faire perdurer l'association. On a besoin de nouveaux élèves qui viennent apprendre à jouer de l'instrument pour leur intégrer le bagad ou qui viennent apprendre à danser de façon à intégrer le cercle, parce que bah, c'est ce qui fait vivre notre association. Le bagad des cercles se vend dans différentes manifestations en Normandie et on monte même jusqu'en dans la Somme et la région parisienne, et du coup le fruit du cachet de la prestation fait vivre l'association. Donc on a vraiment besoin tous les ans de nouveaux adhérents pour pouvoir gonfler les rangs et pouvoir honorer les contrats des prestations. Néanmoins, oui. Pour la fête de la Saint-Yves, on recrute toujours des bénévoles de façon à pouvoir répondre aux demandes de sécurité. Donc il nous faut toujours des bénévoles alloués à la surveillance. On a la police, on a des vigiles, oui. Mais il nous faut aussi des bénévoles qui regardent. Vous manquez de surveillants actuellement? On manque, disons qu'on est bien, mais plus on est, mieux c'est. Comme ça permet aussi à tout le monde de faire des pauses. Plus on est nombreux, mieux tout le monde se porte. Plus on est fou, plus on rit, comme vous l'avez dit aussi bien au début de l'antenne. Mais au moins, ça permet de rassurer d'une certaine façon et de se garantir le moins de risques possible. On a parlé brièvement des Ramoneurs il y a quelques instants, mais est-ce que l'un de vous deux, peut-être Anne, qui sait, souhaiterait parler des Ramoneurs de manière que nous allons écouter tout de suite? Oui, alors c'est un groupe assez rock, on va dire, par rapport à ce qu'ils font au niveau de la musique. Ils ont notamment participé au Hellfest l'année dernière, qui est un rassemblement de musique... métal, on va dire. Et oui, du coup, c'est quelque chose qui... Oui, ça décoiffe quand même par rapport à, Ça apporte un souffle différent. Voilà, c'est tout à fait différent et ça permet d'ouvrir encore la musique bretonne à d'autres... Parce qu'elle est vaste, cet univers. Donc du coup, d'une certaine façon, Ça permet de faire découvrir encore la musique bretonne à d'autres gens qui ne sont pas forcément attirés par le côté trop traditionnel de... De la musique. Et de surprendre en plus. Aussi. De surprendre aussi bien ceux et celles qui sont habitués que pour ceux et celles qui découvrent et qui peuvent peut-être à terme aimer la musique donc rock celtique. Donc on peut dire ça, rock bretonne, rock celtique. Oui, rock celtique. Alors, le titre des Ramoneurs de Menhir que je vous propose d'écouter tout de suite, et là, je m'avoue vaincu, je ne vais pas savoir le prononcer, donc je laisse l'un de vous le prononcer.
c'est quoi le titre? Alors ça, pour cette mesquinerie-là, faites attention. On va s'entraîner juste après, alors. Alors, ok, moi, je vais le dire comme ça, Dance Gradek, c'est pas ça? C'est presque ça. C'est presque ça. Ah, bon, bah, c'est moi qui n'ai pas assez confiance en moi. Donc, bah, moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on laisse les auditeurs écouter Dance Gradek, donc, et moi, de mon côté, bah, avec Christophe et Anne, bah, je vais répéter la prononciation tout de suite. Voilà. Les Ramoneurs de Menhir et le titre que je cherchais à savoir comment il fallait le prononcer, bah, au final je me suis plus compliqué la vie qu'autre chose parce que on pouvait dire tout simplement Danse à Gradek, hein, c'est ça. Voilà, tout à fait Christian, c'était ça. Voilà.
Alors, c'est triste au passage, mais c'est gentil à toi, c'est gentil à vous même. Ouais, voilà. On passe tellement un bon moment ici que du coup, de mon côté, je tutoie très facilement les gens. Mais bon, ça c'est ma nature, mais peu importe. C'est pas l'objet de notre interview, dont j'ai encore quelques petites questions à poser à nos deux amis. On a parlé des besoins en bénévole, mais là on va voir un petit peu plus loin. On va parler d'un point de vue un peu plus éloigné. C'est les projets à venir. Y en a-t-il ? Eh bien, on a deux projets à venir. On prépare, donc ça va être une grande première. C'est un arbre de Noël. On loue une salle et puis on va faire un grand spectacle, tout ça, pour les enfants. Parce qu'on a, on a 34 enfants dans le groupe de l'association. Et puis bah, chaque adhérent et bénévole de l'association a aussi des enfants. Donc du coup, on va essayer d'organiser un super arbre de Noël. Ça va être une première. Et ensuite, on travaille... Fait par les enfants. Alors, fait par les enfants, les adultes et puis d'autres groupes, de façon à ce que ce soit un spectacle sympa et que tout le monde s'en rappelle comme un bon souvenir. Mmh. Et spectacle visuel. Voilà, ouais, spectacle visuel et sonore, parce que bah, la musique qui est bretonne, évidemment. Faut que ça résonne dans la tête. Hein. Et on prépare aussi parce que, bah, la fête de la Saint-Yves 2019, parce que mine de rien... Ben oui. 2018 n'est pas encore commencé, qu'on prépare déjà 2019, on réfléchit au projet, on monte le financement, tout ça. Par rapport au financement, donc pas encore par rapport aux activités en tant que telles, surtout. Non, c'est surtout la partie, on monte d'abord le budget administratif. D'accord. D'accord, très bien. Bah oui, en plus là pour la fête d'incentive à venir, il y a différents moyens de pouvoir se renseigner avec une page Facebook. Oui, tout à fait. Nous avons un Facebook, les Bretons du Havre, hein, et bah heureusement que les réseaux sociaux sont là pour nous aider dans la communication, parce que bah c'est pas cher, hein, tout ce qui est réseaux sociaux maintenant. Il y a une communauté active. Oui, tout à fait. Bon, on essaye de publier souvent de façon à rendre aussi la page dynamique. Mm-hmm. Et du coup, on a parlé du local, du lieu associatif, on peut dire ça. Où se situe-t-il ? Eh ben, nous, on a notre local qui est dans le quartier Saint-François, au 6 rue d'Hédreville. Donc voilà, on est chez nous dans le quartier, on a un local à peu près 70 mètres carrés et qui est à nous, et voilà, on est vraiment dans le quartier historique des Bretons. On est revenu, ça fait maintenant un an et demi hein, qu'on est revenu dans le quartier Saint-François. Avant, on avait un local aux quatre chemins, c'était immense, avec sous-sol, garage, sauf que bah, les charges étaient trop importantes. Trop importantes pour... Et les frais, tout, donc on l'a vendu pour pouvoir rebondir sur autre chose, et on a rebondi dans le quartier Saint-François. Ouais, et puis même, c'est pas forcément autant imprimé culturellement breton, j'imagine. Par rapport au quartier Saint-François qui... Non, c'est pas du tout les quatre chemins, c'est à la limite de Sanvic, au Havre, donc ah oui. Il n'y a pas de connotation bretonne. Néanmoins, c'est purement symbolique de revenir à Saint-François, ah c'était voilà, l'occasion qui a fait le larron, mais c'est purement symbolique. C'est pour ça que je pensais surtout au fait que revenir au quartier Saint-François, ça permettait de renforcer un petit peu son identité par rapport à ce que fait l'association. On s'approche tranquillement de la fin de notre interview. Donc, on rappelle, hein, la fête de l'incentive, c'est quand ? Le 19 et le 20 mai ? Tout à fait. Voilà. Venez nombreux, venez nous rejoindre, venez goûter nos crêpes. Voilà. Je les attends, Christophe. Hein. Bah oui, voilà. Donc, non, un rendez-vous vraiment convivial, que je pense devrait plaire aussi bien pour les non-initiés comme moi que pour les initiés, évidemment, et aussi pour les petits et grands, car on l'a bien compris, les activités, c'est aussi pour les petits. Tout à fait. Et les plus grands. Et une dernière question avant de se faire nos adieux, c'est toujours triste. Eh bien, puisqu'on parlait des non-initiés, est-ce que l'un de vous, Christophe Ouane, a un message à transmettre pour ceux et celles bah, qui éprouvent de l'intérêt à la culture bretonne, tout comme moi j'ai découvert cette association récemment et dont j'ai envie de connaître avec vous ici dans les studios d'RVL, mais qui n'a pas encore franchi le pas de rejoindre cette merveilleuse assos. Eh bien moi je vous dirais, rejoignez-nous, que vous soyez breton ou non breton, le principal c'est d'aimer la culture bretonne, d'avoir envie de la faire perdurer au Havre et dans toute la région. Donc rejoignez-nous et on
a tout un tas de choses à vous proposer, de la musique, de la danse, l'atelier cuisine, de la couture, de la généalogie. Et généalogie, oui. Oui, tout à fait. On a un atelier généalogie qui marche, qui fonctionne pas mal, qui a un grand réseau en Bretagne. Donc, du coup, c'est assez facile pour pouvoir constituer son arbre généalogique. Et le responsable de l'atelier est vraiment très dynamique et... ça marche super bien. Donc sincèrement, rejoignez-nous et même venez déjà à la Saint-Yves, discutez avec les bénévoles, venez voir un peu ce qu'on fait, ce qu'on propose. Et voilà, je vous donnerai rendez-vous en septembre si vous voulez venir apprendre à jouer de la musique, à danser ou tout un tas d'autres choses. Et les renseignements, on les retrouve sur la page Facebook des Bretons du Havre. Tout c'est fait. La 31e édition, on n'a pas pensé à le dire, la 31e édition, donc la fête de la Saint-Yves sera sur son 31 les 19 et 20 mai. Eh bien, franchement, ça m'a fait plaisir de vous avoir tous les deux dans les studios pour discuter de cette merveilleuse association et surtout des activités qui vont venir et surtout ce grand événement qui est la fête de la Saint-Yves qui est vraiment très identitaire pour vous. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. En tout cas, on le souhaite. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne séance à tous et à toutes. Et on va se quitter avec un dernier bagade. Bah, oui, on a commencé avec un bagade, on termine avec un bagade, ça va de soi. Le bagade de Lanbiway. Est-ce qu'un petit mot rapide pour se situer? Bah, le bagade de Lanbiway, voilà, c'est le must de tous les bagades. Hein. C'est le bagade militaire, c'est le pompon rouge. Donc eux, ils sont hors concours, ils sont basés à Lorient et voilà, c'est vraiment l'emblématique de tous les bagadous, c'est le bagad de Lanbiway. Hein. Eh ben c'est l'inconditionnel. C'est l'inconditionnel et c'est avec Every Teardrop It's a Waterfall que l'on se termine ensemble cette interview. Grand merci à vous et je vous souhaite bien sûr une bonne fête de la Saint-Yves. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup, Kanawa Rachel. Au revoir.